Déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, les révolutionnaires. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Connecte-toi, réveille-toi, bien-aimé. Que la lampe de ta maison soit allumée. Que la lampe de ta maison soit allumée et qu'elle ne s'éteigne pas au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre maintenant, réveille-toi. Réveille ton frère, réveille ta sœur, réveille ton compagnon de prière, réveille ton époux, réveille ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure de la prière est arrivée. J'aimerais que dans ta maison, auprès de ton entourage, auprès de tes proches, que tu lances cette sonnette d'alarme, que tu lances cette sonnette d'alarme en disant que c'est l'heure de la prière. Bien-aimé, lève-toi pour réveiller encore tes frères et ta sœur, pour réveiller tes amis, pour réveiller celui qui t'accompagne en prière. Bien-aimé, le Seigneur veut manifester sa puissance dans ta vie au nom de Jésus. L'heure n'est pas de dormir dans ce début d'année. L'heure n'est pas de regarder les choses se faire. L'heure n'est pas de laisser le diable continuer à détruire votre maison, votre foyer, votre santé, vos finances. Bien-aimé, mais l'heure est à se lever dans la prière afin de vivre et de témoigner la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Quelqu'un me reçoit ce soir, quelqu'un me reçoit ce soir, dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses acclamer puissamment le Seigneur, acclame Dieu ce soir, acclame Dieu, en faisant monter des faillas, des faillas, des faillas, des faillas, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire de Dieu soient manifestées dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Yes. Je vois quelqu'un faire monter des faillas, acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la puissance, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié.
Il est digne d'être exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Alors fais monter vers l'Éternel encore une offrande d'acclamation ce soir, une offrande de reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur, parce que cette nuit, bien-aimé, le Seigneur veut te visiter. Pendant ces 7 nuits, bien-aimé, le Seigneur nous a donné une directive, bien-aimé, puissante, pour rallumer les lampes dans nos maisons. Bien-aimé, lorsque nous parlons d'allumer la lampe, il s'agit d'être vigilant, il s'agit d'être réveillé. Réveillé non pas avec tes yeux physiques, réveillé non pas dans la réalité, mais réveillé spirituellement. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre dans ta maison, ce qui se passe dans ton foyer, ce qui se passe dans ton travail, ce qui arrive à la vie de tes enfants, a une source spirituelle. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Tu as assez regardé les choses faire. Maintenant, c'est l'heure de te lever. Maintenant, c'est l'heure de proclamer. Maintenant, c'est l'heure de commander et de changer les événements au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, la lampe de ma maison ne s'éteindra pas. Aïe, 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 la lampe de ma maison ne s'éteindra pas. Quelle est cette personne-là qui a voulu éteindre la lampe de ta maison? Quelle est cette situation-là qui a détruit ta vie de prière, qui a détruit ton zèle, qui a détruit ta force, qui est venu te déstabiliser dans ta vie spirituelle? Quelle est cette personne? Qui est-elle? Elle va être détruite au nom de Jésus. Au travers de ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu va se manifester afin que tu puisses témoigner que nous avons un Dieu puissant, afin que tu puisses témoigner que nous avons un Dieu glorieux, afin que tu puisses témoigner que notre Dieu est celui qui change les circonstances dans le nom de Jésus. Alors que tu es debout, bien-aimé, tiens-toi debout, c'est un moment de prière hein, où tu vas avoir avec toi ton service, bien-aimé, dans le Seigneur, où tu prends ton service d'huile d'onction, ton service d'aspersion avec toi. Et après cette prière, bien-aimé, faire le service d'aspersion dans toute ta maison. Nous sommes dans un moment où les choses cachées doivent être dévoilées, où ce qui était masqué va être révélé. Ce que tu ne voyais pas, tu vas le voir. Là où l'ennemi s'est infiltré, bien-aimé, tu dois voir clair. À la fin de ce programme, les choses doivent changer. La lumière doit arriver. Bien-aimé, lorsque une lampe est allumée, elle éclaire même les ténèbres. Et je prie au nom de Jésus-Christ que les ténèbres disparaissent et qu'ils puissent laisser place à la lumière de Dieu. Et qu'ils puissent laisser place à la lumière de Dieu. Et qu'ils puissent laisser place à la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu puisse opérer maintenant dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre, dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu opère maintenant dans ta famille, vienne dévoiler, vienne démasquer, vienne ramener à l'existence ce qui était caché. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare maintenant. Que cela prend effet dans ta vie au nom de Jésus. Alors prépare-toi pour la prière de cette nuit, bien-aimé. La prière de nuit a une grande efficacité. Elle est tellement puissante, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors ne néglige pas ce moment. Peu importe l'heure à laquelle tu me suis. Si tu me suis à minuit, que l'impact que cette prière a, bien-aimé, puisse continuer de se manifester dans ta vie. Alors que les sorciers multiplient les efforts pour chercher comment ils vont te faire tomber. Cherchez comment ils vont détruire ta maison. Cherchez comment ils vont détruire tes finances. Bien-aimé, toi, lève-toi. Sois armé de la puissance de Dieu. Sois armé des ordres de l'ordre divin. Sois armé des orientations divines afin de vivre et de recevoir la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi et que tu puisses déclarer en disant, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche, déclare avec moi, que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, dis avec moi, après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père, par cet acte divin, dis avec moi, par cet acte divin, moi Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ,
Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète avec moi, il dit toute forme de malédiction. Dans ma vie, se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Répète encore, dis en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Déclare avec moi, dis la grâce de Dieu. Répète encore et dis la grâce de Dieu. Dis avec force et puissance, dis encore la grâce de Dieu. Me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, dis encore la grâce de Dieu. Me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais monter des faya ya 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 ya. Fais monter des faya ya 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant ce programme de prière, ta situation ne doit plus rester la même. Ce programme de prière vient pour te réveiller, vient pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer que non, trop c'est trop. Tu ne peux pas continuer à voir les choses se dégringoler dans ta maison comme ça. Tu ne te rends pas compte que ta vie est en train de perdre en vitesse. Tu ne te rends pas compte que ce que tu étais en train de faire est en train de chuter. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de perdre le fruit de ton travail. En ce moment, tu devais normalement récolter tout ce que tu as investi. Alors que nous parlons, tu devais normalement témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Mais il n'y a toujours rien qui arrive dans ta vie. Bien-aimé, ne laisse pas les choses se passer pour que ta vie soit détruite. Mais lève-toi en prière maintenant, au nom de Jésus. Lève-toi en prière maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage maintenant. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ne demeures pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est tout lieu où tu ne vois pas clair. Tout domaine d'activité où les choses te semblent ténébreuses, te semblent noires. Toute situation, là où la maladie est venue prendre place. Toute situation, là où l'ennemi est venu semer la confusion. Là où l'ennemi est venu semer le malheur. Il est venu semer les pleurs. Il est venu semer la division. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur veut te restaurer. Dans le nom de Jésus, le Seigneur veut ramener la vie dans ta maison qui a été détruite. Toi qui es en train de me suivre, mon frère, ma sœur, tu as tout perdu. Lorsque je dis tout, c'est tout. Tu as perdu la paix, tu as perdu la joie, tu as perdu le mariage, tu as perdu les finances, tu as perdu ton travail. Ta vie professionnelle a été détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu là où le Seigneur veut te restituer tout ce qu'on t'a volé au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que tu te lèves avec moi. Ensemble, bien-aimés, nous voulons obtenir la victoire. Éradiquer toutes les œuvres des ténèbres. Éradiquer les plans des sorciers. Éradiquer ceux-là qui font du mal dans nos vies et dans nos maisons. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Tu vas prier cette nuit. Écoute, lorsque les ténèbres entrent dans une maison, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois plus rien.
Lorsque les ténèbres arrivent quelque part, les ténèbres signifient le noir. Les ténèbres signifient le manque d'avancement. Les ténèbres signifient la malédiction. Les ténèbres signifient le blocage. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de prier, que ta lampe soit allumée. La lampe vient pour chasser les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque la lumière arrive quelque part, les ténèbres qui étaient là disparaissent. Écoute, lorsque tu es réveillé dans la prière, lorsque tu es réveillé, bien-aimé, pour invoquer le Seigneur, là, les ténèbres s'en vont. Lorsque nous parlons d'allumer la lampe, ça veut dire en réalité faire fuir les ténèbres. Lorsque nous parlons de ta lampe ne s'éteindra pas, ta lampe sera toujours allumée. Ça veut dire en quelque sorte, les ténèbres ne peuvent pas avoir raison de ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ce quel que soit le malheur qui avait pris place dans ta vie, lorsque tu te lèves dans ce programme de prière, cela quitte ta maison, quitte ta famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les ténèbres ne peuvent pas durer. Bien-aimé, ce souci que tu as eu pendant des années doit te lâcher prise. Ce problème de couple, de fertilité, bien-aimé, doit quitter ta maison. Ce problème de chômage doit quitter ta maison. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où la maladie était entrée, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus, là où la maladie avait pris place, maintenant que la puissance de la guérison commence à opérer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce programme, le Seigneur a décidé de te faire du bien. Écoute, le Seigneur a décidé de te sortir des griffes de la sorcellerie. Cette malédiction va quitter ta maison. Ce blocage va quitter ta maison. Ces problèmes de finances vont libérer ta maison au nom de Jésus-Christ. Écoute, lorsque nous disons la lampe de ma maison ne s'éteindra pas, bien aimé, peu importe ce qu'on a mis pour t'envoyer un sommeil spirituel, pour t'envoyer une lourdeur. Écoute, l'ennemi lorsqu'il rentre, c'est pour dérober, égorger, détruire. Sa volonté lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour détruire tout ce que tu es en train de faire. C'est pour détruire ce dans quoi tu es en train de travailler. Bien aimé, toi ne te laisse pas. Lève-toi dans la prière. Lorsque la lampe est allumée, les ténèbres disparaissent automatiquement. Bien-aimé, pendant cette semaine où nous sommes en train de prier, là où ta lampe doit être allumée, tu vas prier que les ténèbres lâchent prise. Que les ténèbres lâchent prise. Tout ce qui a été fait dans la sorcellerie, tout ce qui a été fait en cachette, tout ce qui a été fait dans les lieux ténébreux doit maintenant lâcher prise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Rabababa. Robo Shandere Kemai, Rinda Mamase, Roba Shendara Kamaya, Rondo Robo Sandereke, Riba Bababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce qui a été semé pour détruire ta vie, maintenant va tomber au nom de Jésus. Écoute, la lumière ou la lampe allumée vient révéler ce que tu ne savais pas. Lorsque une lampe est allumée, là où il y avait le noir disparaît. Bien-aimé, pendant ce programme que nous sommes en train de faire, tu vas chasser les ténèbres. Tu vas chasser tout ce qui est bizarre. Tu vas chasser tout ce que tu ne comprends pas. Tu vas chasser là où l'ennemi a pris place pour détruire ta maison au nom de Jésus-Christ. La lampe de ma maison ne s'éteindra pas. Bien-aimé, ce programme est un jugement. Je le répète, ce programme est un jugement. Tu es en train de signer les sentences, les arrêts de mort, bien-aimé, sur la vie de tous ceux-là qui se sont infiltrés dans ta vie pour te détruire.
Écoute, jusqu'à maintenant, chaque début d'année, c'était le moment où tu perdais tout. C'était le moment où il y avait des problèmes financiers. C'était le moment où il y avait des attaques dans la maladie. Ton corps, il y avait toujours des problèmes de santé. Regarde, depuis quelques années, en chaque début d'année, c'est le moment où la maladie arrive, où tu perds tes finances, où tu n'arrives pas à avancer. Bien-aimé, jusqu'à maintenant, tu étais distrait, tu ne voyais pas. Mais alors que ta lampe est allumée maintenant, tu vas voir, tu vas palper et tu vas maintenant anéantir tout ce que l'ennemi fait en cachette contre ta vie au nom de Jésus. La lampe allumée, bien-aimée dans le Seigneur, vient dévoiler les secrets, vient dévoiler ce qui est caché. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimée, les ténèbres ne peuvent plus régner dans ta maison. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a pris de toi? Qu'est-ce qu'on a volé à tes enfants? Est-ce que c'est leur intelligence? Est-ce que c'est leur réussite scolaire? Est-ce que c'est leur paix? Est-ce que c'est leur santé? Qu'est-ce qu'on t'a volé à toi-même, bien-aimé? Cela doit être restitué au nom de Jésus. Cela doit être restitué au nom de Jésus. Tout ce qu'on a pris pour amener le trouble dans ta maison, tout ce qu'on a pris pour causer le malheur de ta famille, maintenant est brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tout plan maléfique qui a été fait en ces débuts d'année pour amener le malheur dans ma vie, cela commence par des problèmes médicaux, ensuite des problèmes de finances, ensuite des problèmes de santé. Bien-aimé, tout a été mis en place pour que tu puisses pleurer. Tout a été mis en place pour que tu puisses perdre en ce début d'année. Tout a été mis en place pour que tu sois en train de te lamenter. Mais nous allons prier encore ce soir. Tu vas prier, toi qui es en train de me suivre. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne sois pas distrait. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas au sommeil spirituel, mais l'heure est à se réveiller afin de recevoir et d'obtenir les victoires dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le sommeil doit quitter ta maison. Le sommeil doit quitter ta maison. Bien-aimé, si tu vois les choses s'empirer comme tu es en train de le voir, si tu vois cette situation devenir de plus en plus grave, si tu vois cette maladie en train de s'enraciner dans ta maison, bien-aimé, cela est un signe. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour cette souffrance. Non, il ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre ce que tu es en train de vivre. Mais il t'a créé pour que tu puisses témoigner sa gloire et sa puissance. Alors lève-toi, refuse de subir l'humiliation de l'ennemi par les problèmes qu'il te fait vivre. Refuse de subir la honte venant du diable. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Comprends et discerne que derrière les problèmes que tu es en train de traverser, il y a une main maléfique et que cette main doit être détruite, éradiquée au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu te lèves dans la prière, lorsque tu vois les combats, lorsque tu vois les multiplications des attaques, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà dévoilé et la victoire est certaine. Dis avec moi, la victoire est certaine. Répète encore, dis avec moi, la victoire est certaine. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, tu vas prendre avec toi. Pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire un service puissant. Bien-aimé, à la fin de ces 7 nuits de prière, je suis en train de déclarer que ta maison ne connaîtra plus les ténèbres. J'entends quelqu'un dire amen. Ta maison ne connaîtra plus les ténèbres. Ta maison ne connaîtra plus l'humiliation. Les maladies qui se sont infiltrées dans ta maison vont lâcher prise au nom de Jésus. Écoute, ce début d'année ne sera pas comme l'année précédente. Ce début d'année, tu ne vivras pas les mêmes choses que tu as vécues l'année précédente. Non, parce que tu t'es levé. Parce que les ténèbres ont quitté ta vie. Les ténèbres ne peuvent pas durer à toujours, non. La maladie ne doit pas durer à toujours, non. Ton corps n'est pas un lieu d'essai pour les nouveaux sorciers, non. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé, tout ce qu'on a planté
pour te détruire va être déraciné pendant cette semaine où ta lampe ne doit pas s'éteindre. Bien-aimé, c'est dans les camps de l'ennemi qu'il y aura des surprises désagréables. Écoute, ce qu'on avait préparé pour que cela arrive dans ta maison, je suis en train de déclarer et de prier en tant que servante de l'Éternel que cela retournera aux envoyeurs au nom de Jésus. Écoute, le moment est venu pour que le retour à l'expéditeur puisse se faire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Nous sommes dans la saison et dans les prières de retour à l'expéditeur. Là où on a envoyé la maladie, que la maladie retourne d'où elle vient. Là où le blocage est arrivé, que le blocage retourne d'où il vient. Là où la sorcellerie a pris place, qu'elle retourne d'où elle vient. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. J'aimerais que tu prennes ton service, prends ton service d'aspersion. Alors que je suis en train de me préparer dans la prière, tu vas prendre ce service, tu vas mettre dans toute ta maison. Tu vas commencer à déverser l'huile et l'eau que tu as mélangé, bien-aimé dans le Seigneur, avec le sel dans toute ta maison. Prends l'huile. Tu prends l'eau, tu prends le sel de table. Tu es en train de mélanger ça maintenant alors que nous sommes en train de dire, bien-aimé, tu commences à faire le service d'aspersion. Alors que je suis en train de prier, fais le tour de ta maison, des pièces de ta maison, si c'est chez toi. Bien-aimé, tu fais le tour, tu es en train d'asperger, tu es en train d'asperger et tu vas continuer à la fin de la prière. Alors que nous aurons terminé, bien-aimé, tu vas continuer. Tu vas te lever encore pendant quelques minutes et continuer ce service d'aspersion au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, alors que je suis en train de faire ce service d'aspersion, je prie maintenant que tu puisses ouvrir mes yeux et que je comprenne ce qui se passe. Que toute ténèbre qui était cachée, tout comportement qui était masqué, que je n'arrivais pas à comprendre, que je n'arrivais pas à réaliser, maintenant, soit dévoilé et soit démasqué. Oh, nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Randarabababa. Sherabayasa. Rikandamamako. Renteke Maya. Randi Abasa. Robo Shandereke. Ribababa. Père éternel, par ce service puissant, je prie maintenant que tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui, tout ce que je ne voyais pas, maintenant, soit dévoilé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne comprends pas. Tu es en train de vivre la baisse dans ta maison. Tu es en train de vivre la sécheresse dans ta maison. Tu es en train de vivre la paresse dans ta maison. Bien-aimé, l'ennemi s'est infiltré pour détruire. Maintenant, lève-toi. Lève-toi que la lumière de l'Éternel vienne dans ta maison. Afin d'arrêter tous les ténèbres. Afin d'arrêter les ténèbres. D'éteindre maintenant toutes les flèches enflammées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, monte en prière encore. Ratekerebeshai. Randi Ababa. Robo Sande. Raskante Yamaga. Ronderekeba. Robabababa. Kantarakamaya, Rodorobo Shantiyamaman. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, Père, au travers de ces services, que mes yeux s'ouvrent. Je sors de la distraction, je sors du sommeil spirituel, je sors du laisser-aller spirituel. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Lorsque la lumière arrive, lorsque ta lampe est allumée, bien-aimé, tout ce qui était caché est mis à nu. Tout ce que tu n'arrivais pas à comprendre, tu ne voyais pas, tu n'arrivais pas à discerner que c'était la cause de ton problème, cela est dévoilé. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur,
que tout ce qui a été caché, tout ce qui a été masqué, qui est la cause de mes pertes, qui est la cause de mes sécheresses, qui est la cause de mon manque, maintenant, soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, toi qui es en train de me suivre. Tu dis, Seigneur, dévoile des masques. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été caché pendant des semaines, pendant des mois, que je n'arrivais pas à voir, alors que je suis en train de prier pendant ce programme, Père, des masques, tous les ennemis qui sont cachés, tous ceux qui sont cachés, qui agissent dans le noir, qui agissent, Seigneur mon Dieu, Père, en venant me tromper, qui agissent, Seigneur notre Dieu, en venant, Père éternel, m'éloigner de toi, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison, alors que tu as commencé 2020, tu es en train de voir le malheur que tu avais vécu tu as commencé 2022, tu es en train de vivre le malheur que tu avais vécu en 2021, revenir. Tu es en train de voir les mêmes choses, les mêmes blocages, les mêmes complications en train de revenir, les mêmes situations que tu avais refusé vivre. Tu es en train de les voir, tu vois comme si c'est en train de revenir. Tu vois comme si c'est en train de retourner à la page de départ, à la case de départ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur cette nuit. Tu vas dire, Seigneur, dévoile toute caméra maléfique qu'on a mis dans ma maison. Écoute, aucun de tes projets ne fonctionne. Début de l'année, la même maladie revient. Début de l'année, le même blocage est en train de revenir. Début de l'année, tu es en train de vouloir revivre ce que le même combat que tu as vécu les années précédentes. Écoute, cette année, cela n'arrivera pas. Ah, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que cela n'arrivera pas pour toi. Dis cela, répète cela, dis cela ne m'arrivera pas de nouveau. Je refuse que cela m'arrive encore. Je refuse de subir encore l'humiliation du diable. Je refuse de subir encore la honte. Je refuse de subir encore les pleurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que toute caméra cachée dans cette maison, alors que je fais ce service, toute caméra cachée. Bien-aimé, on a mis dans ta maison des vêtements. Des vêtements qu'on est venu te déposer. Ça fait un mois, ça fait six mois, ça fait un an que cela. La personne ne vient jamais récupérer ses affaires. On t'a laissé peut-être une paire de chaussures. On t'a laissé peut-être des vêtements. On t'a laissé peut-être des affaires privées, des bijoux. On t'a laissé des éléments dans ta maison. Bien-aimé, mais la personne qui les a déposés n'est jamais venue les chercher. On a oublié chez toi. Tu penses qu'on a oublié des éléments, mais ces éléments en réalité sont un point de contact, servent à commander, à téléguider ta maison. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, alors que ta lumière arrive, révèle-moi tout objet qu'on a laissé chez moi. Bien-aimé, dans tes placards, dans ton armoire, dans tes tiroirs, dans ta voiture, dans ta salle de bain, je ne sais pas où, dans tout endroit dans ta maison, là où on a déposé quelque chose, mais cette chose-là, c'est un point de contact. Cette chose-là, c'est une caméra. Bien-aimé, lorsque la lumière arrive, lorsque la lampe est allumée, même ce qui était caché, même ce qui était camouflé, est dévoilé au nom de Jésus. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dévoile tout ce qui est caché, dévoile tout ce qu'on m'a caché, là où on a voulu me faire rentrer, là où on veut me mettre pour contrôler ma vie, pour diriger ma vie. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Envoie le fire, 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 fire. Ratekere beshai, rinda mamama, rebaba, robo chande, riskanta yaba. Dans le nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu. Maintenant, détruire toute caméra satanique qu'on a mis dans ma maison. Père éternel, qui est un point de contact, qui emmène les ténèbres, qui
qui emmène la maladie, qui emmène les esprits des morts. Maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de Dieu maintenant. Dis avec moi trois fois fire, 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 fire. Dis encore avec moi trois fois fire, 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 fire. Dis avec moi fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, que le feu de Dieu que nous sommes en train d'invoquer maintenant, que le feu de Dieu descende dans ta maison. Tu vas envoyer le feu de Dieu dans tous les lieux cachés, dans tous les lieux où il y a les ténèbres, dans tous les lieux là où tu ne vois pas, tout domaine de ta vie. Bien-aimé, dans ton travail, il n'y a pas d'avancement. Bien-aimé, ton mariage commence bien, mais lorsque vous voulez conclure, c'est les complications. Il y a les ténèbres qui sont rentrées. Les ténèbres ne peuvent plus durer. Bien-aimé, lorsque la lampe s'allume, les ténèbres doivent s'éteindre. Tu vas dire, Seigneur, tout lieu ténébreux qui vient de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, peut-être les ténèbres que tu vis, c'est un héritage maléfique. Tu vas bien maintenant t'élever contre tous ces mauvais héritages. Ces mauvais héritages qui te fait subir ce que tu es en train de subir. Ce mauvais héritage qui te fait vivre le malheur que tu es en train de vivre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier maintenant et que le feu de Dieu consume et détruise tout ce mauvais héritage, tout ce que tu as hérité, bien-aimé, du côté de ton père, du côté de ta mère, comme malheur, comme malédiction, comme pleur. Maintenant, au nom de Jésus, bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Envoie le feu de Dieu détruire tout héritage maléfique que toi tu as reçu, maintenant qui travaille contre toi, dans le nom de Jésus, maintenant qui travaille dans ta famille pour te détruire, te déstabiliser. Maintenant, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Faïa, ya, 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 faïa, ya, 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a enfoui, tout ce qu'on a caché dans ma maison, maintenant, soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Rabababa, Shonara Kamayase, Rina Mayaso, Robo Shanderebeka. Rikantara Bababa, Remama Masai, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Rekenterebesai, Randia Mama Mama, Rota Mayase, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu prends encore ce service. Tu vas aller dans ta chambre à coucher, là où tu dors, là où il y a tes affaires, là où tu ranges tes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant c'est le lieu où tu passes le temps, où tu passes, où tu fais tes projets, là où tu te reposes, là où tu médites, là où tu penses. Bien-aimé, tout ce qu'on a mis comme caméra, tout ce qu'on a envoyé comme chose bizarre, en ces débuts d'année, rien ne va se passer dans ta maison sans que tu ne le saches. Tu vas dire, Seigneur, rien ne va se passer spirituellement dans cette maison sans que je ne le sache, sans que je sois averti, sans que je le reçoive en songe, sans que je le reçoive en vision, sans que je le reçoive lorsque je médite la parole. Dans cette maison, dans cette chambre à coucher, là où je dors, c'est là où mes yeux vont s'ouvrir. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas faire le service d'aspersion. Tu vas aussi prier, tu vas déclarer. Ce lieu-là où je dors, rien ne va être caché. S'il y avait des plans maléfiques préparés contre toi, dans les rêves, Dieu va te les montrer. S'il y avait quelque chose qu'on a introduit, on a introduit de manière sournoise pour que tu ne le voies pas dans ta maison, mais qui est une flèche. Bien aimé, il y a peut-être quelque chose qui est bizarre qui se trouve dans ton armoire. Tu ne sais pas d'où ça vient. Un piège qu'on a mis dans ta maison, tu ne sais même pas. On a infiltré ta maison par une caméra, tu ne sais même pas. Peut-être qu'il y a un coin où il y a des fourmis qui commencent à venir ronger. Tu ne sais même pas. Il y a des insectes qui sont en train de détruire ta chambre. Tu ne sais même pas. Bien-aimé dans le Seigneur,
Lève-toi maintenant et tu vas prier. Tu dis, Seigneur, dévoile-moi dans ces lieux, dans cette chambre, là où je dors. Que rien ne me soit caché dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, alors que ma lampe est allumée, que rien ne puisse m'échapper spirituellement. Que rien ne puisse m'échapper spirituellement. Bien-aimé, alors que les nouvelles saisons arrivent, alors même que les plans aussi maléfiques sont en train de se préparer, tu ne dois pas être surpris. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Lorsque tu reçois des visiteurs, qui ils sont? Dieu doit te donner l'identité, bien-aimé. Je ne suis pas en train de te conduire dans la paranoïa, mais je te conduis à être éveillé spirituellement. Quelqu'un chez qui la lampe est allumée. Bien-aimé, lorsqu'un sorcier viendra avec une mission, tu le verras. Lorsque on t'enverra des amis qui vont te détruire, tu le verras. Lorsque dans ton travail, on préparera des plans pour te détruire, te déstabiliser, tu le verras. Alors tu vas prier. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, dévoile-moi. Que mes yeux soient ouverts. Qu'avec cette lampe allumée, qui est ta présence par la prière, que mes yeux soient ouverts. Pour que je puisse voir, pour que je puisse voir, et que je ne sois pas dans l'ignorance, et que je ne sois pas dans le trouble, et que je ne sois pas dans le doute. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, que rien ne se passe dans ma maison. À partir de maintenant, sans que je ne puisse le voir, l'année 2022, je ne subirai pas de mauvaises surprises. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne subirai pas de mauvaises surprises au nom de Jésus. Chaque chose qu'on a mis dans ma chambre, qu'on a mis dans mon armoire, qu'on a mis sous mon lit, qu'on a mis dans un coin caché, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie et je déclare maintenant que cela va être dévoilé, que cela va être dévoilé, que cela va être dévoilé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, fa ya 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 ya
que le Seigneur te le montre maintenant, que la lumière soit allumée. Peut-être que là où vous êtes en train de partir, c'est auprès d'escrocs, mais que Dieu te montre, que le Seigneur ne permette pas que vous tombez dans les mains d'escrocs, que vous tombez dans les mains de mauvaises personnes, que Dieu te le montre maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette femme vertueuse, elle ne connaît pas le malheur, elle ne connaît pas la disette, elle ne connaît pas la souffrance. Tu vas dire, Seigneur, en cette année 2022, apprends-moi, montre-moi là où je dois investir. Montre-moi dans quel projet je dois m'engager. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi là où je dois aller. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Rabababa, Rotakayama, Rindarabase, Robo Shandi Yamakai, Reskandi Yamama, Robo Shai, Rendarabababa, Roma Sende Kerebekai, Rebara Santi, Rekemterekebaya, Robo Shande Rebesai. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis avec moi trois fois, fire, 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 fire. Dis avec moi encore trois fois, fire, 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 fire. Dis avec moi, fire, ya, 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 fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je prie. Dans le nom de Jésus, à partir de ce moment, ma maison est une maison bénie, est une maison entourée par les anges de Dieu. Aucune chose ne m'échappera, ni spirituellement, ni physiquement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute manipulation de l'ennemi pour amener le malheur dans ma maison maintenant sera démasqué, sera dévoilé et sera anéanti maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Toute force de ténèbres n'agira pas dans cette maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. En ce début d'année, je prie et je déclare que la maladie ne trouvera pas sa place, la pauvreté ne trouvera pas sa place. Les agents des ténèbres ne trouveront pas leur place dans ma maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout malheur héréditaire, hérité de ma famille, s'arrête maintenant, je déclare. S'arrête maintenant, je déclare. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma maison est un havre de paix, d'épanouissement, d'avancement. Au nom de Jésus-Christ, j'amènerai le bonheur là où j'irai. Au nom de Jésus-Christ, j'amènerai la réussite là où j'irai. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que je vais toucher va réussir et va briller. J'arrête le cycle des pleurs, le cycle des malheurs. Au nom de Jésus, Père éternel, que tout ce qui était caché me soit révélé. Et que la puissance de Dieu opère maintenant dans ma vie et pour toujours au nom de Jésus. Bien-aimés, alors que nous finissons ce programme de prière, fais le service d'aspersion. Ceux qui avaient été mis comme piège dans ta maison, le Seigneur va les éradiquer maintenant et il va te les révéler. Autour de toi en ces débuts d'année, un tri doit être fait. Celui qui est la source de ton malheur doit quitter ta maison. Tout ce que tu touches doit être bon. La Bible dit que la femme vertueuse, lorsqu'elle travaille, elle voit que ce qu'elle fait est bon. En 2022, tu dois voir que là où tu investis, c'est bon. Ce que tu travailles, tu réussis à en tirer le meilleur. Ta maison est bénie. Ton champ est béni. Ton mariage est béni.
Ce que tu fais, tu réussis. Et en ces débuts d'année, bien-aimé, tu veilles sur ce qui se passe dans ta maison. Tu veilles. Le désordre n'entrera plus, mais tu veilleras et tu vivras ce que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette nuit puissante, jusqu'à dimanche, nous continuons avec ce programme. Ces prières, tu fais maintenant à minuit, tu le fais à 6h du matin, heure de chez toi. Et tu fais le service d'aspersion. Les témoignages vont pleuvoir. Et bien-aimé, dans ta maison, tu parles là-dedans. Tu commences l'année avec cet état d'esprit. Vigilance toujours. Et tu vas vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne seras pas victime de l'ignorance, mais tu connaîtras. Et tu seras affranchi. Tu vivras des témoignages dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire et honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi trois fois, Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, après cette prière, fais le service dans ta maison. Fais le service dans ta chambre à coucher, partout dans ton véhicule. Tu peux même emmener dans ton bureau, bien-aimé, pour faire le service d'aspersion. Il se passe comme ceci. Tu prends de l'eau. Tu prends de l'eau bénie pour laquelle nous avons prié, bien-aimé. Tu prends ton huile d'onction pour laquelle nous avons prié, bien-aimé, avec du sel. Le service que tu as, bien-aimé, d'aspersion, et tu vas l'asperger dans ta maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si on n'a pas prié ou ton service d'huile d'eau n'a pas été béni, bien-aimé, tu peux écrire au numéro de téléphone des modératrices qui vont apparaître. Donc les modératrices, vous pouvez écrire, écrivez les contacts. Afin qu'on puisse envoyer les prières qu'il faut, bien-aimé, pour ce service-là. Et que tu puisses témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Réveille-toi. Que cette prière te réveille. Réveille ta maison, bien-aimé. Le malheur est en train d'arriver. Tes enfants sont en train de dévier. Tu ne le vois pas. Dieu doit te montrer. Ton mari est en train de partir à côté. Ton couple est en train d'être détruit. Réveille-toi. La mauvaise semence doit quitter. Les ténèbres doivent quitter ta maison. Le sommeil spirituel doit quitter ta maison. Et la vie doit arriver. Là où il y avait la mauvaise semence, des origines de ton père ou de ta mère, de ta famille, qui sont en train de faire fuir ton époux, ton épouse, qui sont en train de causer le malheur, cela doit quitter ta maison. Et tu dois proclamer et témoigner la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans votre maison maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que vous puissiez témoigner de la gloire de Dieu. Ce service va dévoiler, détruire tout ce qui a été fait dans votre maison au nom de Jésus. Toute semence maléfique qui a été rentrée dans votre maison, tout agent, tout rongeur, tout ennemi caché va être dévoilé. Ce sont des témoignages que vous allez vivre. Votre maison devient un feu au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom chez vous.